Finalement. Oh, vas-y donc. Et non, ce ne sera pas une vidéo classique. Ça fait un peu plus d'un an maintenant, je pense, que je récolte progressivement des petites pépites dans mes montages et j'avais envie de vous les partager, toujours dans cette optique un petit peu de bilan 2023. Voici donc le meilleur du pire de tout ce que vous n'avez pas vu pendant les vidéos de cette année. J'espère que ça va vous plaire. Ça va être une vidéo un petit peu plus légère et qui va changer des autres classiques. Donc voilà, amusez-vous bien avec tous mes bloopers de l'année et on se retrouve dimanche pour le programme habituel. À la prochaine! Je ne sais plus comment il s'appelle. Grotte de flûte. Je suis extrêmement fière de moi puisque je pense que c'est l'ouverture de vlog la plus tôt. Ça ne se dit pas ça. Pour des choses que je ne vous explique. Pour des choses que je ne vous explique. Pour des choses que je ne vous explique. Bien évidemment, c'est à l'envers. C'est mon intro, quel enfer. Attends, moi je suis venue, tu me sortais les deux. Ah merde, j'ai fait mal. Alors, le montage, c'est quelque chose de formidable, franchement. Du coup, on est à West-Hurlant. Ah, il y a trop de gens dans ce bateau. Et il y a une amie qui lit un très bon livre de... Et Juliette qui force toute la vie. Bref, on est... était là, j'étais obligée. Faut qu'elle en parle une fois par vidéo à peu près, je pense que c'est le... Ah, ça fait un moment, ça fait un moment. C'est si gênant. C'est si gênant. Bref, on est. Tu vas monter ça, je sais pas, je vais m'arracher les cheveux. Bref, il y avait notamment Kevin. Il y avait nos cadres. Ouais, peut-être même. Aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va suivre le personnage de. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Troisième tome par rapport à plusieurs reprises. On va attendre que l'avion passe. Elle a aussi sorti, je sais plus comment ça s'appelle, pour l'aider dans... C'est la fête des avions là. Gros pigeon, qui met très... mais plus théorie, qui est une ville mitoyenne de Troie, qui... Oh non, Manuel du sorcif. Manuel de survie du fort. On voyage dans le temps et découvre la figure de la sorcière à travers les yeux. Ah, à travers les âges. Bah écoute, toujours est-il que cette lecture commune. On est dans un univers où il y a six ORN, je crois. Je ne sais jamais. Comme il n'y a pas de résumé sur ces livres. Et c'est le 3. Oh non. Non, mais que osé, oula. Below Zero, Below, et à un livre qui est, et un livre qu'on a, et un livre dont on a, c'est un, donc dans l'ensemble ça a été une très très chouette lecture. Clairement, ça m'aurait permis d'apprécier tous les lieux de Gunn avec tout qui peu mais on en aurait voulu. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Pour explorer le. Oulalalalala. Et ben chouette. Une petite catastrophe de plomb plus tard. Je reprends pour un petit peu comme ça là, un petit peu difficile et l'inhospitalité. Donc il y a une thématique de.
autour de ce qu'on est. Jeudi 11 mai, hier soir, non, ce matin. On est le 29 ou le 30? Non, on est le 20, on est le 30. Bref, il va falloir... Qui leur a d'ores et déjà... dans l'opération 2 tomes pour le prix de 2. Et ça va... Et on va... Ah, papa, 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 avec le Jaspel. Qui était également l'Explora Livre de juillet. Attendez, I'm having the Great Game, c'était juin ou juillet? Bref. Qui était. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire. C'est le festival des avions là. Ça a l'air de marcher. Je ne suis qu'un amas de couverture. J'ai froid. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. Tu fais un peu de couette. Non, ça va. Bon. Attention. Tu es prête? Attends. Et en plus, du coup, je te le mets comme ça. Ça se mettre face à face. Il faut quand même qu'on fasse... Bien, bonjour. J'espère que tu veux me dire le bonsoir. Non, je sais pas. Non, on peut dire bien le bonjour. On ne sait plus. Et voilà, c'était mon petit bêtisier, mes petits bloopers de 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez autant de mal que moi à vous exprimer et si vous vous laissez aussi facilement distraire par tous les objets volants qui peuvent passer à votre portée. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite, bien évidemment, d'excellentes lectures et on se dit à la prochaine.